allons donc commencer par donc aller sur la plateforme qui va nous permettre de faire des dessins en trois dimensions. Pour ceci, eh ben, je me rends tout simplement sur app.sketchup.com. Et sur ce app.sketchup.com, on va vous demander de vous connecter et de mettre une adresse email. Tenez-le que vous êtes à l'école, vous pouvez mettre votre adresse privée. Ça, c'est une chose à faire, on peut faire en fait, et puis après mettre un mot de passe. Mais une autre manière de faire, c'est de commencer avec justement avec Dusblonet plus vos 4 lettres de nom, prénom, votre login en fait pour la session. Et après, @declic.net. Comme ceci, moi, je recevrai donc votre activation de mot de passe et on pourra réactiver ça très facilement. Donc, l'adresse de connexion, je fais suivant. Et là, vous devez mettre votre prénom, votre nom, vous inventer un mot de passe, dire que vous n'êtes pas un robot, créer un nouvel compte et ensuite, on va le valider en classe et vous pourrez vous connecter et arriver donc sur cette plateforme-là de SketchUp. Si vous avez à votre domicile une souris, trois boutons avec une roulette, une vraie roulette, ça vaudrait la peine de la prendre parce que la roulette, vous allez voir qu'elle va nous apporter quelques petites facilités. Donc, je me suis connecté et je vais commencer par présenter juste un tout petit peu l'interface. Donc, nous avons ici sur la gauche tous les outils nécessaires pour faire le dessin. On a ici sur la droite ce qu'on appelle des informations ou des méta-informations. Et tout en bas ici, une partie très importante qui est l'outil mesure. La première chose qu'on fait, c'est qu'on a souvent envie d'enlever le personnage qui est ici parce qu'il nous dérange, on trouve qu'il est moche, qu'il n'est pas très bien, etc. Mais en fait, ce personnage nous est très utile parce qu'il va nous permettre de vraiment bien positionner nos éléments sur les dimensionner par rapport justement à la taille humaine. On va commencer par faire un petit exercice, un premier exercice qui consiste à faire n'importe quoi. On y va, on commence par l'outil rectangle. Il faut savoir que ici j'ai plusieurs outils, donc je prends l'outil rectangle. C'est toujours le dernier qui s'affiche ici. Il faut savoir que sur SketchUp, c'est pas comme le logiciel de dessin où on tient à cliquer, il faut vraiment comprendre que c'est cliquer, relâcher, cliquer, relâcher. Donc je clique et je relâche. Et là, je commence à dessiner un rectangle. Vous voyez qu'il est bleu, donc ça veut dire qu'il serait sur l'axe vertical. Donc là, et maintenant, je fais ici, c'est à l'horizontale, c'est parfait. Je fais un rectangle, il est fait. Je peux faire un deuxième, un troisième, c'est parfait. Je clique et je reclique après pour finir. Ça, c'est vraiment très facile. Ensuite, on va voir comment faire. Ben, c'est 3D, pour l'instant, c'est tout en deux dimensions. Pousser, tirer. J'ai ici cet outil-là. Pousser, tirer. L'extrémité de la flèche va identifier la face. Donc ici, je prends et c'est la face. C'est la face qui va être poussée. Je pousse contre en haut et je vois que mon bâtiment, donc ma forme, monte allègrement. Ça, c'est facile. Maintenant, on va regarder un petit peu comment naviguer. Alors, si vous avez une souris trois boutons avec la roulette, c'est facile. Si j'appuie sur la roulette, vous voyez que l'outil à gauche, ici, s'active. Et je peux donc orienter, tourner mon élément ici pour le voir comme je veux, etc. L'apprécier et apprécier comment c'est. Il faut savoir que dans SketchUp, vous allez énormément naviguer, orienter votre truc. C'est le plus de 80% des clics, c'est essentiellement ceci. Aussi, avec l'outil, la roulette, je peux positionner par exemple sur la dame et je peux zoomer sur sa tête si je reste dessus en roulant ou en déroulant la souris. Ou comme si je zoome sur cette face, je peux zoomer, dézoomer la face. Je peux zoomer, dézoomer la face, ce qui est très pratique. J'ai donc dessiné deux trois choses, c'est parfait. Et on va maintenant colorier les faces. Pour colorier, c'est facile, c'est l'outil de peinture. Ici, je prends colorier. Et vous allez voir qu'automatiquement, il vous a affiché ici des couleurs. Alors par exemple, je peux prendre cette couleur-là et je colorie mon rectangle. Vous remarquez aussi qu'il a automatiquement appliqué des ombres pour que ce soit plus facile à l'œil pour voir donc comment cela ça se passe.
si je n'ai pas colorié de l'autre côté, et ben de nouveau, je dois tourner mon élément pour colorier, bien entendu, les dernières faces. Voilà. Et les dernières ici pour colorier mon rectangle. Parfait, je colorie ceci. Je pourrais faire la même chose pour colorier dessous. Et également, je peux colorier sous mon rectangle pour qu'il soit entièrement colorié. Ça, c'est parfait, nickel, excellent. J'ai donc colorié mes faces. Je peux aussi mettre une texture. Par exemple, je peux dire que c'est de la pierre ou de la moquette, etc. Pour ceci, je vais dans la petite loupe ici et vous allez voir qu'il y a des textures qui arrivent. Par exemple, vous pouvez prendre du métal ou du béton. Voilà, je vais faire un rectangle en béton. Je choisis qu'il est en béton et il fait une pseudo-structure en béton. Et donc, je colorie mon rectangle ici en béton. C'est parfait. Nickel. Bravo. J'ai donc fait des rectangles. Je les ai poussés, tirés. J'ai navigué et j'ai colorié les différentes faces de mon rectangle. On va donc maintenant voir... comment faire pour simplement aller faire d'autres formes, par exemple des cercles. Voilà, donc je peux faire aussi là un cercle. De nouveau, je peux prendre le pousser tiré et je peux pousser mon cercle, le monter, le tirer, etc. Voire même le faire aller contre le fond. Voilà, très bien. Je peux aussi faire des formes sur le... Voilà, je peux faire, et vous voyez qu'il fait automatiquement sur la face sur laquelle je me trouve. Je clique. Voilà. Et de nouveau, je prends le pousser tiré. Vous allez voir, c'est très marrant, parce que là, le pousser tiré, ici... Et je peux ici, en sélectionnant cette face, je peux la pousser ou la tirer pour que ça rentre ou ça sorte à l'intérieur de ma forme. Ici, vous voyez que ça vient faire un aspect un petit peu moiré dessus. C'est que la forme est déjà en contact, est vraiment pile sur la même face, exactement au même niveau que la face. Donc là, elle traverse tout jusqu'à... extrémité, voilà, tac. Voilà, donc pour faire mes formes. Voilà. Je peux importer des objets. Alors par exemple ici, donc je ferme ma bibliothèque carrément et je peux importer des objets. Pour importer des objets, il faut cliquer sur les trois petits cubes ici, ajouter des composants, et ça s'appelle la warehouse. Il y a des composants qui sont en libre droit qu'on peut importer. Et par exemple, je vais importer une chaise. Voilà, il va me chercher des chaises et voilà, je prends ici une belle chaise, il me télécharge la chaise et je vais pouvoir mettre ma chaise. Je pose ma chaise ici, en imaginant peut-être que c'est une table. Et vous voyez qu'avec l'outil ici déplacé, si je me mets sur, en haut sur la chaise, ici, vous allez pouvoir orienter votre chaise de gauche à droite. Vous pouvez aussi vous mettre ici et aussi orienter votre chaise comme ça. Mais bon, c'est pas très 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 utile. Donc je vais orienter ma chaise pour qu'elle soit bien positionnée. Voilà. On pourrait aussi augmenter la taille de la chaise, mais ça, on verra comment faire plus tard. Maintenant, nous allons simplement... j'ai fait un superbe dessin et il est colorié, les faces sont faites. Je peux de nouveau ici, donc bien entendu, orienter mon dessin pour que je puisse voir à peu près toutes les faces comme il faut. Donc, je choisis un angle de vue qui me paraît intéressant. Voilà, et maintenant j'aimerais faire en sorte que, comme si j'avais fait un croquis à la main, parce que souvent on demande de faire des croquis. Alors, le croquis à la main ici, c'est les petites maisons là qu'on a là, ces cubes, ça s'appelle les styles. Et, ah, alors là il faut que je ferme
ici mes composants pour avoir les styles. Et maintenant, je peux avoir les styles arrête de croquis ici, et vous pouvez faire en sorte, par exemple, que mon dessin est comme si vous aviez fait un croquis à la main. Alors, on peut dire que voilà, je suis quelqu'un qui fait ça à main levée. Voilà, je fais un croquis un peu comme ceci. Voilà, j'ai donc fait mon croquis à main levée de mon dessin. J'aimerais faire un peu plus fun. Ici, avec l'outil lunettes, vous pouvez activer les ombres. Et on verra que si on peut géopositionner un bâtiment, une maison, etc., on va pouvoir savoir comment se déroule l'ombre au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure du temps sur mon bâtiment. Donc on choisit de mettre des ombres sur le bâtiment pour que ce soit à peu près correct, qu'on puisse voir bien les choses. Voilà, j'ai donc fait mes ombres. Une fois cet exercice-là fait, donc il va y avoir des formes, des cubes, des rectangles, des palpipèdes rectangles, des cylindres qui montent, qui descendent, qui sont imbriqués, des faces qui sont percées, trouées, avancées, etc. À peu près du même style que chez moi. Nous allons donc enregistrer. Pour ceci, je clique sur « Enregistrer ». Il enregistre tout simplement. J'enregistre dans SketchUp. Moi, j'ai fait un dossier. Vous pouvez faire « Ajouter un sous-dossier ». Moi, j'ai fait « Partie 1 ». Ici, et je lui mets un nom ici en bas, je lui marque exercice 1, enregistré ici. Parfait, il m'a donc enregistré cet exercice et maintenant j'aimerais juste pouvoir l'exporter. Alors pour ceci, je clique sur le petit icône du dossier et je fais exporter et je demande un export en PNG. Voilà, c'est parfait, un export en PNG, et je clique là ici en bas, exporter au format PNG. Bien sûr, il va travailler un petit peu pour le faire, cet export, et voilà, il m'a donc fait l'export. Il est soit sur votre bureau, soit dans le dossier téléchargement. Chez moi, il est là. Voilà, et c'est ce document-là que vous allez remettre pour votre première évaluation SketchUp, pour première partie donc d'exercice. Un exercice où on fait un petit peu tout n'importe quoi, avec un import d'objet, des formes tirées, poussées, et aussi des coloriages de formes que l'on peut voir. Ah, on n'a pas vu le coloriage de formes, donc pour ceci je peux revenir sur mon SketchUp, et je peux revenir sur les styles, et je reprends par défaut ici, voilà, et là aussi je fais un export ici, je fais un export en PNG de mon deuxième élément ici, exporté au format PNG. Et nous avons donc deux documents à remettre, un document couleur avec les faces peintes et les ombres, et un document noir et blanc avec effet crayonné que vous aurez à remettre. Voilà, bonne chance et à bientôt pour la suite !